Bonjour, monsieur Belmadi. C'est pour Boutoula. L'ancien président de la FAF, avant de partir, il avait révélé au cours de l'Assemblée générale votre salaire, qui a fait d'ailleurs le chouga de la presse sportive. Et, notamment et, de votre plateau. Oui, bien sûr. On débat de tout, nous, sur le plateau. Surtout de ce genre de choses. En toute impartialité, monsieur Belmadi. Ma question, impartialité, vous? Oui, bien sûr. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez, monsieur Belmadi. Nous, on débat le sujet, vous êtes libre. On ne vous oblige pas à nous regarder, vous pouvez zapper. Vous allez vous enfoncer, là. Oui, il n'y a pas de problème. On fait le débat, il y a des gens qui nous regardent. En demandant à ce que tout le monde nous aime, monsieur Belmadi. Nous, on fait le débat et chacun est libre de regarder ou de zapper. Moi, je voudrais juste vous revenir. Est-ce que cela vous a perturbé ou pas, monsieur Belmadi? C'est quoi votre salaire, vous? Mon salaire? Ouais, vous voulez parler de salaire pour vous? C'est quoi ces histoires-là? Mais c'est pas moi qui a révélé. C'est l'ancien président de la fédération. Je vous ai dit au cours de l'Assemblée générale. Est-ce que cela vous a perturbé? Voilà ma question. Ça vous a perturbé à vous? C'est vous qui avez fait des émissions là-dessus? Non, c'est pas moi qui l'a révélé. C'est l'ancien président de la fédération. Peu importe qui a révélé quoi que ce soit. Oui. Et si ça lui appartient, allez lui poser la question à lui. C'est vous que ça perturbe. C'est vous qui faites des émissions là-dessus. Merci pour votre réponse. Ouais. Salam alaikum, coach. Soyez pas mal poli en posant des questions avec un chewing-gum et avec un petit sourire comme ça. Sinon, je vais être mal poli, moi aussi. Vous n'êtes pas bien placé pour me donner... Laissez vos doigts où il est. Respecte. Mais je respecte mutuellement. J'ai entendu. Mangez pas un chewing-gum si vous me respectez. Oui, je vous respecte. Bah, pas avec un chewing-gum dans la bouche. C'est pas parler, ça. Salam alaikum. Ça, c'est vomir, ça, c'est pas parler.